Dans ce pays que nous voulons libre, démocratique et prospère, personne de nous ou personne de vous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est dressé par la médisance, la méchanceté, c'est la calomnie. Mais face à toutes ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Après la démission à la tête de l'Assemblée nationale, il est normal que j'aille au village pour retrouver mes parents. Naturellement, je leur parlerai du comité politique et je demanderai des prières et des bénédictions pour ça. Guillaume Soro va prouver même en 2020 que vraiment c'est pour nous. Nous sommes des réélus et il est sur la terre de ses ancêtres. Mon souhait est qu'il devienne président en 2020. Qu'il sache que faire qu'avec lui pour toujours jusqu'à la fin. Nous, on meurt pour lui, on meurt pour lui. Nous serons toujours avec lui. Ce qu'il a vécu réellement, c'est un homme fort. Et nous prions Dieu pour lui, Dieu fera le reste. C'est si c'est Fatimata a fait que Soro n'est qu'un président, c'est ça que je veux. Je sais tout. Saya
soro daula tigilo kankele tigilo moko moko kibi soro ton ala kaboyera soro duwa dele soro moko miye ab kankele tigilo asagena kanani fanga e otena alam na soro jafa wala soro ti malutiya na abe soro ko chokorba su nyama be soro ko nala sora soro ti malu. Pour voir le président venir, hein, le futur président. J'avoue que je suis impressionné par cette mobilisation des populations. J'avoue que ça m'a donné le sentiment qu'un bon député va être en phase avec sa population. En rentrant ici, j'ai commencé à rêver de me voir un jour avoir l'aura de ce grand homme. Grand homme qui est en parfaite communion avec sa population. Grand homme qui est en parfaite synergie avec sa population. Et je suis fier aujourd'hui d'être à ses côtés avec cette population qui véritablement donne le ton de ce que la Côte d'Ivoire attend son Excellence Guillaume Soro dans toutes les régions de Côte d'Ivoire.